Good morning, everybody. I hope much of you speak English, understand French. I'm sorry to not be able to do my speech in English because I didn't prepare it. But we try to speak slowly and you try to understand better. While now talking about the case of Senegal, donc, ce sont les limites de réponse institutionnelle aux luttes contre les mutilations génitales. Ah, d'accord, dans le micro. Alors, où est-ce que je fais descendre mon... OK. D'accord. OK. Voilà. Donc, c'est... Quand nous avons regardé la question de l'excision, on se rend compte qu'elle est aussi vieille que le monde. Les travaux que nous avions faits en 1999 nous avaient permis de constater que c'est des pratiques qui existent avant les religions. On va revenir sur les religions parce qu'on indexe tout le temps la religion, mais les pratiques existaient avant 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a des papyrus qui montrent que ça se pratiquait dans la Grèce antique. Il y a même une historienne sénégalaise qui nous dit que ça existait chez les Romains, donc dans le sud de l'Europe, et dans la Russie à la fin du 19e siècle. Donc l'excision est une pratique qu'on a retrouvée presque partout. L'Afrique... Et un des continents, on va le voir tout à l'heure dans les figures, est le continent qui pratique le plus l'excision. Et 28 pays ont été identifiés, peut-être même plus. Et aujourd'hui, l'OMS nous parle de 140 millions, on nous dit même 200 millions de femmes sont concernées par l'excision. Alors, je vous montrerai ici les cartes du monde. Ça, si je trouvais juste sur Google, vous allez voir toutes les cartes de l'excision. Même dans les continents européens, on retrouve l'excision parce qu'il y a le phénomène aussi de la migration qui joue. Mais vous voyez que c'est l'Afrique qui est le continent le plus concerné. Donc nous avons les chiffres, c'est des chiffres qui dépassent 90% pour l'Égypte, Djibouti, la Guinée et la Somalie. Et vous allez voir, il y a des pays qui sont moins affectés. Le pays qui nous concerne aujourd'hui, le Sénégal, se trouve dans la bande verte avec 23%. Ces chiffres étaient antérieurs, c'est 26 sur le tableau. Mais aujourd'hui, le Sénégal est à 23%. Alors, là aussi, ça nous donne juste la situation du continent africain, mais surtout de la bande au-dessus du Sahel, avec quelques pays arabes qui sont concernés, comme l'Égypte et le Yémen. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas du Sénégal. Au Sénégal, la lutte contre l'excision a commencé depuis les années 70. Mais c'était le ministère en charge de la question de la femme et les ONG. Et la lutte a commencé d'abord par la communauté internationale qui a commencé à dénoncer ces questions. Et évidemment, les activistes sénégalaises se sont emparés du problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu très tôt un engagement du gouvernement à travers le président de la République qui lui-même a fait une déclaration pour la lutte contre l'excision. Et cela s'est traduit par la mise en place d'un cadre juridique assez fort. D'abord, le Sénégal a mis en place à partir de 1997, il y a eu une conférence mondiale
sur les droits de l'homme qui s'est tenue à Dakar le 20 novembre. Et c'est à cette occasion qu'il y a eu l'engagement du chef de l'État. Or, dès que le sommet s'engage, ça permet de faire marcher le reste de la machine. Il y a eu donc, par la suite, une pression assez forte du mouvement des femmes qui a amené à la loi contre les violences faites aux femmes et les mutilations génitales et l'excision. En fait, c'est parti du fait qu'un homme avait tué sa femme et les Sénégalais se sont mobilisés. Et c'est à partir de ce moment, on a mis ensemble une loi qui touchait toutes les violences faites aux femmes, y compris les mutilations génitales. Alors, la loi a été sévère parce qu'elle prévoyait l'emprisonnement de 6 mois à 5 ans. Contre l'excision. Donc, toute personne qui était coupable pouvait courir entre 6 et 5 ans, 6 mois et 5 ans de prison. Et quand c'est un membre du corps médical qui a commis cette excision-là, la peine devenait beaucoup plus lourde. Mais on va voir qu'on n'a jamais réussi à appliquer correctement cette loi. Mais surtout, avant même cette loi, le Sénégal avait signé toutes les conventions internationales qui touchaient la question des violences et de l'excision. Elle a ratifié en 1985 la CEDAW, la Convention sur les luttes contre les femmes. Elle a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant en 1989, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981. Le protocole additionnel de Maputo, qu'on connaît très bien, en 2005. Donc, et même à partir de 2001, la nouvelle constitution revient sur les questions de la violence et le met dans la constitution et reprend dans son préambule tous ses traités antérieurs. Ça veut dire donc que du point de vue de la loi, le Sénégal est un pays impeccable. La loi, elle est bonne. Les textes sont là pour comme amender, etc. Mais le Sénégal ne s'est pas limité à faire une loi. Il a décidé aussi de mettre de très grands programmes contre l'excision. Et ces programmes-là, on peut commencer à les voir à partir de 1997. On intègre dans le programme sur la santé. L'objectif en 1997, c'était de réduire de 50% le taux de l'excision, déjà en 1997. Ensuite, il y a eu un programme de développement sanitaire qui a existé. Donc, le premier, c'était le programme de santé de la reproduction. On vise 50%. En 1997, toujours, on le met dans le programme national de santé. Ensuite, en 1997, toujours, on crée le plan national d'action de la femme et on met encore la lutte contre l'excision. Et en 2000, on met un plan d'action spécifique sur l'abandon de la pratique et des mutilations génitales. Ce plan-là était de 2000-2005. Alors, avec ce plan, le Sénégal met en place toute une série de mécanismes pour lutter contre les violences. Il y a un conseil national, donc au niveau national, il y a un organe, il y a des comités techniques, des organes de coordination, les comités régionaux au niveau des départements, les communautés, les cellules de coordination. Donc, il y a même un forum des partenaires, etc. Donc, il y a tout un arsenal de programmes qui sont censés mettre en œuvre les politiques, parce qu'ils ont mis des politiques, ils ont mis un programme et ils ont mis des mécanismes pour l'application de cela. Alors, en 2010, on décide d'accélérer le programme de l'excision et il y a un deuxième plan d'action. Mais quand on regarde au fond ces différents programmes, le premier plan d'action de 2000, le deuxième de 2010, on se rend compte que finalement, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. On avait un programme ambitieux, mais les résultats ne sont pas bons. Parce que, un, pourquoi? On n'a pas appliqué la loi.
Alors, dans le texte que je vous donne, je cite toutes les décisions de justice concernant des personnes qui ont pratiqué l'excision et qui étaient passibles de peine. Déjà en 2001, dès 6 mois déjà après le vote de la loi en 99, c'était en janvier, 6 mois après, en juillet, une femme a été sanctionnée, mais elle va être libérée. Ensuite, en 2001, on trouve deux personnes âgées dans le département, dans le sud, dans les régions sud. Alors, bon, elles vont être sanctionnées, mais à une peine de 6 mois de prison. Finalement, toutes les peines qui ont suivi, c'est 6 mois. Or, 6 mois, c'est la peine minimale et 5 ans, la peine maximale. Personne n'a jamais eu la peine maximale. Et même quand il y a eu mort d'une fillette à la suite de l'excision, on a donné le sursis. C'est-à-dire, finalement, les premières peines, c'est 6 mois qu'on a donné et on se débrouille pour libérer la personne avant même les 6 mois. Et finalement, on fait 6 mois, mais avec sursis. Donc, la loi n'a pas été appliquée. Alors, ça, c'est jusqu'en 2007. 2009, là où on a trouvé le plus, c'est dans le sud. On a trouvé une seule condamnation au nord, dans la vallée du fleuve, mais les populations se sont levées pour manifester contre la décision de justice. Et quand un seul cas aussi a été signalé dans le sud du pays. Donc, quand la loi n'est pas appliquée, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de sanction. Et s'il n'y a pas de sanction, les gens vont continuer à mettre les pratiques. Alors, l'excision n'a pas beaucoup régressé au Sénégal. Quand on regarde la situation, vous allez voir un marron foncé, ce sont les zones où on fait le plus l'excision, mais ce sont les zones qui ont des frontières avec d'autres pays. À l'ouest, ils n'ont pas de frontières, ils n'ont que la mer. Mais à l'ouest, vers l'est et le sud, ce sont les frontières avec la Mauritanie, avec le Mali, avec la Guinée-Bissau, avec la Guinée-Conakry. Et ce sont ces zones où on retrouve le plus d'excisions, parce que l'excision, c'est lié à des groupes ethniques précis qui font ces pratiques-là. Alors, quand on regarde l'évolution, 1900-2005, on avait 28% d'excision au Sénégal et il y a eu plusieurs plans d'action pour dire on va diminuer de 50%, mais en 2005 on a dit on va diminuer à 40%, mais en réalité l'écart qu'on a obtenu sur 10 ans ce n'est que 5 points. Et je dis en faisant cette analyse, pour diminuer l'excision au Sénégal, il va falloir 50 ans. Au rythme où ça évolue, il faut 50 ans. C'est dans 50 ans, peut-être, que l'excision va être diminuée, supprimée au Sénégal. D'ailleurs, l'évaluation qu'on a eu à faire en 2012, là, on est tombé vers 25,7% avant 2015, nous a donné des réponses, des informations très sérieuses. Ça veut dire que non seulement l'excision diminue très, très lentement, mais l'excision augmente à Dakar, la capitale. Maintenant, les hypothèses, on va dire que c'est parce qu'il y a une forte
Migration, c'est une des premières hypothèses, mais peut-être qu'il faut aller à comprendre beaucoup plus. Parce qu'à Dakar, on est passé de 17,3% à 20%, mais surtout dans la tranche de 0-14 ans, il y a eu 8% de plus de personnes excisées. Et que globalement, au Sénégal, l'excision se fait à un âge de plus en plus jeune. Parce que dans le passé, quand on regarde ce qui s'est passé en Égypte, l'excision, c'était au moment d'entrer dans le mariage. D'ailleurs, comme les hommes, la circoncision, comme l'excision, c'est avant au moment où on devait se marier qu'on faisait ce rituel. Aujourd'hui, au Sénégal, l'excision se fait à un âge très jeune et on va voir dans les stratégies de résistance, même à la naissance. Alors, qui sont les ethnies qui pratiquent le plus l'excision? Comme je l'ai montré, ce sont des ethnies qui sont dans les zones frontalières. Il y a le groupe Wolof qui, culturellement, a abandonné l'excision, parce que je dis bien abandonné, parce que j'avais publié en 1999 un texte où je montre comment, parce que je m'interrogeais. Pourquoi les Wolofs vivant dans l'espace sénégambien sont les seuls à ne pas faire l'excision? Mais j'ai compris, après les recherches, qu'ils ont trouvé des techniques, des techniques pour, comment on dit, des techniques qui permettent de se passer de l'excision. Parce que, en réalité, l'excision, on a beau donner des explications religieuses, c'est le contrôle de la sexualité de la femme, c'est le contrôle du plaisir. Ils ont trouvé des techniques pour substituer l'acte de couper dans les massages à la naissance, on atrophie le nerf qui donne le plaisir. Donc, c'est comme ça que les Wolofs ont abandonné. Mais au fur et à mesure, les gens ne savent même plus faire les techniques de massage. Alors, donc, mais les Wolofs qui vivent dans les zones avec les autres communautés adoptent les pratiques de ces communautés et de ces milieux, même si le chiffre est assez faible. Alors, dans le résultat que nous avons, c'est la communauté Poula qui est la plus grosse communauté qui fait l'excision. Parce que les Soninké et les Mandingues représentent une faible part de la population. Il y a aussi les Diola, je n'ai plus le chiffre, ça tourne autour de peut-être de 15%. Donc, c'est dans ces communautés qui ont de fortes populations, qu'il faut aller faire le travail si on veut que l'excision diminue. Or, on verra que c'est plutôt l'accent est mis chez les Mandingues et les Soninké et moins chez les Poulards. Et on va voir pourquoi ça se passe comme ça. Alors, pourquoi l'excision ne recule pas au Sénégal? Nous avons les normes culturelles. Parce que dans la principale contrainte, c'est les normes culturelles. Dans les communautés où l'excision se fait, une femme qui refuse de pratiquer l'excision est exclue de sa communauté. Elle risque de ne pas trouver un mari, mais en même temps, elle est rejetée. Vous avez peut-être vu le film de Molade, de Sembène Ousmane. Si vous n'êtes pas faite par l'excision, vous êtes impure. Ce qui fait que les femmes elles-mêmes revendiquent de faire l'excision. Mais ça, c'est le problème qu'on trouve partout. Maintenant, la question du Sénégal, malgré tout ce qu'on a investi comme effort, comme argent, c'est la faiblesse de l'État. Je vous ai montré tout à l'heure pourquoi ce qui s'est passé, il n'y a presque pas de sanctions. Et quand il y a la sanction, c'est la sanction minimale. Parce que les acteurs qui font la sanction sont aussi culturellement convaincus qu'il faut faire l'excision. Si le magistrat lui-même, sa mère a été excisée,
Mais vous croyez qu'il va dire que l'excision, c'est une mauvaise chose. Donc, il a été moulé dans une logique pour le faire. Alors, il y a eu des fortes résistances. La première de résistance, ils sont rentrés dans la clandestinité. Ça veut dire que, un, on va aller en Guinée, au Bissau ou au Mali, où on a des parents parce que c'est les mêmes familles. On amène là-bas, comme ils l'ont fait au Portugal et en France, quand le travailleur immigré n'était pas d'accord avec les lois françaises, il envoie la fille en vacances chez elle, et là-bas, on l'excise et elle revenait. C'est ce qu'on a fait ici. C'est la même chose au Sénégal. On envoie sa fille au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau, on l'excise et après elle revient. Mais après, ils sont passés à une autre forme, deux formes de clandestinité. Ils se sont adaptés. On fait l'excision plus jeune. Dès que l'enfant naît, on fait l'excision. C'est un bébé. Avant même le jour du baptême, l'enfant est guéri. Mais troisième forme, en Casamance, elles vont dans le bois sacré. Culturellement, quand les femmes se retirent dans le bois sacré, aucune autre personne ne peut y entrer qui n'appartient à la commune. Donc l'État, il y a une zone de non-État, de non-droit. On va dans la forêt en Casamance, on est dans le bois sacré, pendant 3 semaines, la personne est excisée, est guérie et elle revient. Donc, il y a eu, les populations ont trouvé d'autres stratégies d'adaptation, de résilience pour continuer à pratiquer l'excision. Alors, il y a eu aussi l'adoption des mesures d'hygiène. Elles se modernisent parce qu'avec l'excision traditionnelle, il y avait beaucoup d'accidents, de décès et d'hémorragies. On leur a dit que c'est parce que le couteau n'était pas propre. Maintenant, elles stérilisent tout et elles utilisent les antibiotiques. Donc, il y a même une médicalisation de l'excision et finalement, l'excision continue sans risque. Parce que s'il n'y a, si on le fait bébé, qui va dénoncer personne? S'il n'y a pas eu d'accident, qui va dénoncer personne? Donc, on ne va plus dénoncer l'excision. Alors, maintenant, la question de l'État, ce n'était pas simplement les juges, mais tous les comités. Ils avaient mis beaucoup de comités nationaux, régionaux, départementaux, mais comme ils n'ont pas donné des moyens à ces comités de fonctionner, ces comités n'ont servi absolument à rien, ça n'a existé que de nom. Alors, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au Sénégal. Beaucoup d'efforts, de ressources et d'argent investis. Et pourtant, les mesures juridiques ont été prises, des ressources ont été investies parce qu'on a vu beaucoup de campagnes de mobilisation énormes. La télévision utilisée avec les spots, les gens qui descendent dans les communautés et l'excision continue à être là. Et nous l'avons vu dans les chiffres. 2005, on était à 28%. 2015, on est à 23%. Donc en 10 ans, on a diminué que de 5 points. Si on veut diminuer de 20 points, il faut qu'on aille, c'est 20, de 25, il faut qu'on aille à 50 ans, 40 ans, 50 ans. Mais au début, je disais que là, il y a eu des chercheurs sénégalais, une chercheuse très connue qui est Awatiam, qui a écrit La parole aux négresses, qui a publié en 2014 un ouvrage d'études sur 10 années de recherche sur l'excision. Elle nous dit que c'est vrai que l'excision existait, comme partout dans ces pays, mais c'est la relation avec le colonisateur qui a renforcé les pratiques de l'excision parce qu'ils l'ont vécu comme un problème identitaire. C'est-à-dire, l'excision est rentrée dans le registre de l'identité culturelle. Et pour s'opposer à cet Occident-là, les gens se sont réfugiés dans. Il y a eu un transfert vers cette question. Alors, si c'était vécu comme cela, il y a un deuxième risque.
face à ce combat. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas au Sénégal et pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, le salafisme est revenu comme une nouvelle idéologie religieuse. Et les salafistes intègrent dans leur combat la légitimité religieuse de l'excision. Ils sont en train de dire que c'est l'islam qui dit qu'il faut exciser les filles. Et à partir de ce moment, dans la conscience, les Africains vont encore davantage se radicaliser et l'excision devient un moyen d'un combat politique à travers la religion, même si on sait que toute l'histoire montre que ça n'a rien à voir avec la religion. Alors pour nous, il faut quand même développer des perspectives dans cette affaire-là. Nous pensons que c'est possible de faire avancer l'exclusion. D'abord, du point de vue de la réalité des chiffres, il faut mettre l'accent sur les communautés qui pratiquent le plus. Aujourd'hui, c'est la communauté Poula et dans une moindre mesure la communauté Diola. Donc, si on ne met pas l'information là-bas et l'argent là-bas, ça ne sert à rien. Or, on a un blocage avec la communauté Poula qui est au nord parce que le calife, l'autorité religieuse, au moment où une ONG qui s'appelle Tostan, qui est très peu connue en Afrique de l'Ouest, a formé 180 imams, ce que vous appelez les religieux, quand le guide s'est levé pour dire sa fatwa que la religion, l'excision, c'est reconnu par la religion, c'est une recommandation de l'islam, tous les 180 imams se sont rangés derrière le guide religieux. Tout à l'heure, dans les communications, on a parlé des autorités traditionnelles, des autorités religieuses, mais il ne faut pas se tromper. Dans des travaux antérieurs, j'ai dit que l'imam n'est qu'un technicien du religieux. Que ce soit au Sénégal, en Mauritanie ou en... Ce n'est pas à l'imam qu'on croit, c'est au guide. Surtout chez nous, où il y a une confrérie, on croit quand le calife des Mourides, Ahmadou Bamba, son calife dit, on est d'accord. Quand c'est l'étudiant, on est d'accord. Mais le marabout qui est dans la mosquée, la population ne le reconnaît pas comme tel. C'est juste quelqu'un qui est là pour leur enseigner la pratique. Donc, si on ne touche pas le guide religieux, celui en qui toute une communauté croit, ça ne servira à rien. Et c'est ça l'erreur qu'au Sénégal, on a commis. On a travaillé avec les imams, mais les imams n'ont aucune autorité sur les populations. Il fallait parler avec le chef de la communauté religieuse qui, lui, est au sommet. C'est le seul qui est habilité à le faire. Maintenant, je suis d'accord avec Awotiam, qui dit que les solutions ne pourront venir que de stratégies élaborées à partir d'une fine et profonde connaissance des sociétés en question. Il faut qu'on retourne à la recherche. Il faut que les anthropologues, les sociologues fassent le travail de comprendre les rationalités modernes. Parce que les sociétés aujourd'hui ont évolué. On ne va pas les analyser comme dans l'ethnologie traditionnelle. Ce que leurs parents étaient, ce n'est plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc il faut les étudier dans leur situation nouvelle pour comprendre quelle est leur rationalité. Pour comprendre quelles sont les influences qu'ils ont subies. J'ai parlé tout à l'heure des salafistes. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra régler le problème, et non pas par des programmes parachutés par les institutions internationales, sous l'égide de personnes qui sont totalement étrangères. Et il y a une célèbre africaine qui est Aminata Traoré du Mali. C'est elle qui disait en 1995 à Beijing, il faut que les Occidentaux arrêtent de regarder en dessous de nos pagnes. Et c'était très fort ce qu'elle renvoyait comme message. Ça veut dire que tant que les Africaines verront que ce sont des Occidentales qui viennent leur dire l'excision, ce n'est pas bon, aujourd'hui, dans ce rapport très difficile entre le Nord et le Sud, dans ce rapport de domination et d'exploitation, il y a un risque que l'excision soit perçue comme un moyen et un réflexe de défense identitaire. Donc,
Il y a encore du travail à faire. Il faut qu'on s'arrête, qu'on évalue financièrement ce qu'on a mis, qu'on évalue humainement ce qu'on a mis, parce que ce n'est pas normal au moment où les besoins sont urgents en Afrique, qu'on détourne les ressources pour des stratégies, des programmes qui finalement donnent très peu de résultats. Quand les gens font leur évaluation, ils disent oui, le Sénégal a bien progressé, le meilleur exemple. On le voit dans les rapports. Quand l'UNFP fait cela, c'est le bailleur qui a mis l'argent fait son évaluation, il essaie de justifier que son action est bonne. Mais nous, on regarde les statistiques. Ce que je viens de dire, ce sont les statistiques nationales qui, tous les 5 ans, nous disent comment l'excision a évolué. C'est vrai que c'est en train de baisser. Mais nous pensons que c'est surtout l'éducation. Parce que quand une femme est éduquée, il y a des chances que sa fille ne soit pas excisée. Ça, les résultats l'ont montré. Deuxième élément, il y a la modernité. C'est-à-dire, plus les communautés fréquentent les Wolofs qui sont les majoritaires, ils prennent leurs pratiques et ils diminuent. De la même manière que les Wolofs qui vont être en milieu Diola ou en milieu Soninké vont exciser leurs filles. Les Soninké, etc., qui viennent à Dakar, risquent aussi de moins en moins de pratiquer l'excision. Donc voilà, la question est très, très complexe et très douloureuse, parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, les femmes continuent à subir ces mutilations, parce que c'est de véritables mutilations qu'il s'agit, dont le seul objectif, en réalité, sous couvert de religion, sous couvert de culture, sous couvert de tout ce qu'on veut, c'est le contrôle de la sexualité de la femme. C'est ça la seule véritable raison. Il faut qu'on l'arrête, mais il faut qu'on trouve les moyens, la pédagogie et les stratégies qui nous permettent d'y arriver. Et ça, c'est la recherche qui permet de le faire. C'est la proximité avec les communautés qui permettra de le faire. Et je crois que sur ça, il y a beaucoup d'exemples. Quand nos autres collègues parleront du cas de leur propre pays, on trouvera probablement des situations de convergence. Je comprends que l'Occident soit se mobilise sur cette question. Parce que de plus en plus, avec les migrations, il y a les transferts des pratiques. Et je dis, ça, je termine par ça, une boutade. Je vais souvent en Espagne. Et j'ai découvert une Espagnole qui me dit, il faut m'aider à avoir les petits pagnes, les perles. Je dois aller au Sénégal et je dois voir là-bas ma coépouse parce que je suis la deuxième femme de mon mari. Donc, il faut que je me prépare. J'ai dit, tiens, les Sénégalais vous ont apporté leurs mauvaises habitudes, la polygamie. C'est-à-dire, quand les Espagnols acceptent aujourd'hui d'entrer dans un ménage polygame en connaissance de cause, parce qu'avant, les Sénégalais migrants cachaient qu'ils avaient une femme. Maintenant, ils disent à l'Espagnol, tu prends ou tu laisses. Peut-être que ça existe au Portugal, peut-être que ça existe ailleurs. En tout cas, on est en train d'apporter en Occident nos pratiques culturelles de la polygamie. On a déjà apporté nos pratiques de l'excision. Peut-être qu'on apportera d'autres pratiques. Donc, pour des questions de droits humains, c'est tout à fait normal qu'il y ait une solidarité entre tous les peuples, toutes les femmes de tous les pays du monde, pour qu'on mette fin à cette barbarie, parce que ça n'a pas un autre nom, c'est de la barbarie. Merci beaucoup et je suis désolée de n'avoir pu délivrer mon message dans la langue comprise par la majorité. Merci. We will now open space for some questions. We have about 15 minutes, 20 minutes maximum. So who wants to start asking something? Pat. You can speak in English. Sorry? I will give to him and then else. Bonjour, je salue tout le monde et je voudrais réagir par rapport
à trois points qui ont été brillamment évoqués par Madame Fatou Sarr. La première question consiste à dire que les Africains ont amené la pratique des MGF en Europe. Il faut un peu nuancer. Toute culture fabrique des sottises. Au Moyen Âge, en Europe, on mettait à la jeune fille une ceinture de chasteté qu'elle n'enlevait que pour aller faire ses toilettes. Donc, aucune culture n'a le monopole ou l'apanage de la barbarie. Toutes les cultures font. Il n'y a pas une culture au monde où il n'y a pas cette forme de sottise. Peut-être que dans les sociétés occidentales, elles ont eu la chance, pour des raisons internes, de se débarrasser de cette partie. Mais partons du principe que toute culture fabrique des sottises et des crimes à l'endroit des femmes. L'Afrique évolue à son rythme. Elle a dit peut-être que d'ici 50 ans, cette pratique va exister. Donc je préfère donner cette information pour qu'il n'y ait pas de complexe, pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation selon l'appartenance culturelle. Le deuxième élément, elle a parfaitement raison de dire que quand les populations sont agressées culturellement ou quand les populations sont victimes de l'enfermement spatial, comme le cas de Mantes-la-Jolie, où j'ai eu à travailler, et en Suisse, au sein des communautés suisses, avec le canton de Genève. Quand on est menacé dans son identité, on s'accroche à ce que l'on connaît. C'est-à-dire on pratique la MGF en disant c'est un marqueur culturel identitaire. Alors, je vais y insister dans ma communication parce que quand on travaille sur les droits culturels, il y a quand même ce qu'on appelle des droits universels. Personne ne peut bombarder la poitrine et dire oui, ça fait partie de ma tradition. Personne, non. Il y a ce qui fait de nos parties de nos traditions. S'ils ne sont pas conformes à la dignité humaine, on ne doit pas simplement les accepter. Alors, la question que j'aimerais poser, parce que je suis souvent au Sénégal, j'ai des rapports avec les étudiants et les professeurs sénégalais. Nous, en Mauritanie, on n'a pas encore criminalisé la pratique de la MGF. Là où je voudrais interpeller ma sœur, c'est sur la démarche de Tostan. Dans la région de Podor, on a vu la réticence de ce qu'on appelle les guides religieux par rapport à cette démarche. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais moi, la démarche que je me pose au niveau de Tostan, qui est intervenu en Mauritanie, on vient dans un village, on saisit les excisions traditionnelles, ils font des abandons de déclarations publiques, souvent ça, de manière endogène, discutée avec ce que j'appelle les chefs traditionnels, les chefs coutumiers et tout. Moi, ce que je dis, ça s'est passé dans la région de Podor, où les excisions traditionnelles ont fait des déclarations d'abandon de la pratique des MGF, et le lendemain, le tollé ne venait pas simplement des imams ou des chefs religieux, et vous n'ignorez pas, comme moi, que dans encore certains de nos villages, la femme n'a pas le droit à la parole dans l'espace public. Je vous remercie. I will give the space for reply. Merci, So, de m'avoir pour votre la première remarque sur la ceinture de chasteté et sur l'Occident. En fait, peut-être que je me suis mal expliquée. Quand j'ai commencé mon texte, je montrais que ça s'est pratiqué partout dans le monde parce qu'on a identifié cela depuis 5000 et 6000 ans. J'ai même dit que les Romains l'ont pratiqué. Quand on parle des Romains, on parle de l'Europe. Jusqu'au 19e siècle, on a identifié des pratiques de l'excision selon Pernambeau dans ces espaces-là. Oui, c'est une question de la ceinture de chasteté. Comme je dis, le contrôle, c'était juste une forme de contrôle de la sexualité. Quand les gens partaient dans les croisés, c'était la ceinture de chasteté pour que la personne soit gardée. Donc, il y a des pratiques barbares. Maintenant, je ne dis pas que les Africains vont amener l'excision en Europe. Ils ne vont plus contaminer les Européennes pour faire de l'excision. Mais les Sénégalaises, les Mauritaniennes, les Guinéennes qui vivent en Europe vont venir avec leurs propres pratiques. Or, on est dans des pays où la question des droits, ça rentre en conflit avec la question des droits humains. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, ils deviennent des Portugais, ils deviennent des Français, ils deviennent des Italiens, même s'ils sont détenus Polar, s'ils sont détenus Mandingue, etc.
De la même manière qu'au Sénégal, nous avons des Sénégalais détenus Toubab. En Espagne, on va avoir des Espagnols détenus Wolof, etc. C'est ce que je voulais dire. Donc, je suis d'accord que, merci de l'avoir précisé. Je voulais juste montrer que c'est des pratiques qui vont venir, mais je ne crois pas qu'ils influenceront les Espagnols ou les Françaises. Par contre, oui, la polygamie, ça, elles sont en train de les influencer parce que ça rentre toujours dans le cadre des droits des femmes. Être dans un ménage monogame, je faisais juste le parallélisme. Maintenant, les organisations, agressions culturelles, oui, on est tout à fait d'accord. La question de ce que vous avez dit dans les stratégies de Tostan, dans mon texte, vous le verrez, je parlerai des déclarations d'abandon. Une FPI nous a dit qu'il y a eu 6 500 et quelques déclarations. On a dit que sur les 3 000 communautés concernées, les 5 000 ont fait des déclarations d'abandon. Mais pourtant, les chiffres sont têtus. Ils nous disent que ça a très très peu baissé. Alors, à quoi ont servi ces déclarations? Absolument, ils se posent les questions. Donc, c'était des déclarations de principe, mais les gens retournaient chez eux, continuent à le faire. On les a payés, on les a amenés dans un séminaire. C'était un rapport alimentaire et instrumental. Maintenant, le département de Podor, moi j'étais là quand les 189 imams formés par Tostan ont décidé de tourner le dos à l'excision parce que Seigne Moutagatal a sorti une fatwa pour dire que l'excision est une recommandation de Dieu, de l'islam. Et c'est là où j'ai expliqué qu'il ne s'agit pas de s'adresser aux imams, il fallait s'adresser au calife des Omariens. Si le calife des Omariens ne se prononce pas, on ne pourra rien faire dans le Fouta, en tout cas dans ce département-là, parce que c'est ça leur guide spirituel. Ce qui s'est passé, les gens ont repris de manière mécanique une approche développée dans le Sida. Or, dans le Sida, c'est les califes généraux qu'on a convaincus et ils ont donné leur accord tacite, même si on ne les a jamais entendus. Mais il y a eu tout un travail souterrain pour toucher le goud de Tidiane, le guide des Mourides, tous ces guides religieux qui ont accepté. Parce que si jamais un des guides s'était levé pour dire on ne parle pas de préservatif à la télévision, personne n'aurait jamais osé parler de préservatif à la télévision sénégalaise. Maintenant, les Tostans qui sont venus après, qui n'ont pas compris la logique, et comme c'était les imams qu'ils voyaient parler du sida, mais les imams ont parlé parce qu'ils avaient l'autorisation du calife. Mais ils n'ont pas compris le processus. Ils sont venus juste voir ce qu'ils ont vu en apparence. Ils ont vu que les imams parlaient du sida, alors on va voir les imams pour leur demander de parler d'excision. Mais l'imam n'était pas la personne centrale, c'était le calife. Donc, vous avez tout à fait raison. Dans les nouvelles approches, il faut qu'on pense à cela, parce que nous avons sorti un ouvrage qui a été publié sur le processus, comment les religieux ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre le sida au Sénégal, mais parce qu'on avait touché les guides. Mais ça, ce n'est pas des choses, c'est un travail souterrain qui a été fait. Ce n'était pas le travail, parce que les guides, on ne les voit pas à la télé en train de parler de cela. Mais on les a vus et ils ont dit, d'accord, vous pouvez le faire. Voilà. OK. Else? Oui, je vous remercie beaucoup, Madame, pour votre exposé très intéressant. Vous avez dit qu'à Dakar, le taux de la prévalence de l'excision, ça augmente. Donc, je me demandais si vous pouvez réfléchir un peu plus sur les hypothèses, pourquoi que ça augmente à Dakar, parce que ce qu'on sait de DHS, c'est que dans les zones urbaines, le taux est plus bas que rural. Et maintenant, vous dites que le taux est en augmentation à Dakar. Donc, je me demandais pourquoi. Oui, donc ce sont les chiffres des EDS, l'enquête démographie santé, qui tous les 5 ans nous donne les chiffres. Et maintenant, il y a les EDS continues qui chaque année nous donnent les résultats. Et c'est ce même EDS-là qui dit que à Dakar, on est passé de 17 à 20%. Et même chez les petites filles de 0 à 14 ans, il y a une augmentation de 8 points. Alors, la première des hypothèses, il y a eu, il y a eu toute une marée humaine du monde rural aujourd'hui qui vient à Dakar. Avec la crise économique, Dakar se ruralise.
Parce que les chiffres, ce n'est pas simplement le Dakar Plateau et autres, mais quand vous allez vers la périphérie, les banlieues, c'est de véritable, c'est de manière massive que les populations arrivent à Dakar. Ça, pour le moment, c'est la première hypothèse. Mais deuxième hypothèse, nous savons, il y a la question de la médicalisation qui fait que, comme peut-être que à partir du moment où les sanctions, on ne les entend plus, les gens retournent à leurs anciens, ne voient plus la raison d'avoir peur. Parce que la loi a suscité la peur pour rentrer dans la clandestinité. Mais aujourd'hui, avec l'amélioration des techniques, parce qu'ils ont amélioré leurs techniques, il n'y a plus de décès, il n'y a plus d'hémorragie. Ils utilisent les structures médicales. Parce que moi, j'ai vécu même un cas personnel. Une amie à moi, ma collègue, qui est assistante sociale, mais qui est d'origine malienne, mais elle aide ses sœurs à faire l'excision. On ne va pas me dire, elle a le niveau du bac pour 3 ans, mais elle aide ses sœurs à faire l'excision. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on aille faire d'autres types de recherches qui ne sont pas un rapport instrumental d'un questionnaire qu'on pose, parce que je dis que le questionnaire n'est qu'un rapport instrumental et les vérités sont partielles. Quand vous menez juste des enquêtes, vous ne vous en sortirez pas. Les gens vous donneront la réponse socialement acceptable. Il faut un véritable travail d'immersion d'anthropologue dans les milieux pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, ce travail-là, ça manque. La plupart des bailleurs mettent de l'argent pour les recherches, c'est des collectes de données. Mais ici, ce n'est pas une collecte de données. C'est une question de vécu. Pour pouvoir arriver au terme de cette solution-là, on mettra énormément d'argent pour faire des enquêtes sociologiques, ça ne marchera pas. Vous ne comprendrez pas. Quand vous êtes un étranger qui vient poser une question à ma sœur, elle vous dira ce qui est acceptable. Elle ne vous dira jamais la vérité. Parce que surtout que c'est des questions qui touchent l'intimité, qui touchent parfois à la foi, il faut d'autres approches. Il faut qu'on retourne aux vieilles pratiques d'ethnologues et d'anthropologues pour comprendre. On ne comprend pas notre société dans sa modernité. Parce que ces sociétés ont bougé, les mentalités ont bougé, les façons de voir ont bougé. Il faut qu'on aille les capter et les comprendre. Donc, c'est ça le constat. Ça a été une surprise parce que ça vient d'être révélé juste au mois d'août. C'est le dernier EDS de 2016 qui vient d'être publié. Vous le trouvez dans le site internet. Si vous tapez ANSD, Agence nationale de statistique et démographie, toutes les données sont là-bas. C'est le EDS continu. Et c'est malheureusement ce qu'on a vu. On n'a même pas eu le temps de digérer cette information-là. Ok, alors Michaela. Bonjour madame, et je vous remercie beaucoup pour votre exposé. Mais moi je voudrais retourner et réagir sur la question de la recherche. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, bon, en tant qu'anthropologue qui travaille en Afrique sur des autres modifications des génitaux féminines d'autres pays, et le problème d'abord c'est qui finance la recherche par rapport à programmes d'intervention. Ça veut dire, la question, c'est la première, c'est comment connecter la recherche scientifique qui est parfois très critique et les programmes d'intervention qui parfois digèrent mal la recherche scientifique. Ça, c'est la première question, surtout parce que les programmes d'intervention souvent sont dans un marché, c'est le marché du gouvernement de l'humanitaire qui a des règles, qui a des financements. Et il faut surtout, je pense, travailler avec les femmes locales, mais aussi évaluer les volontaires. Parce qu'il faudra dire quelque chose sur les volontaires, les travails. On ira attendre un speech sur Tostan et tout ça. On connaît. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est la question de l'éducation des femmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense de l'autre côté qu'il y a aussi un problème éducation versus travail salarié des femmes. Ça, c'est, je pense, un pivot important, parce que même si on veut faire une comparaison un peu bête, excusez-moi, même en Europe, le problème des femmes, ce n'était pas seulement l'éducation, mais c'était aussi le travail salarié. Le travail salarié, ça signifie aussi une autonomie, un parcours aussi, entre guillemets, l'émancipation dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le problème du financement de la recherche. On a très peu de recherches, vraiment anthropologiques.
le travail que fait Awa Tiam, qui elle a été une des pionnières en dénonçant l'excision dans les années 70 avec la parole aux négresses, mais aujourd'hui, en faisant son dernier livre d'évaluation sur 10 ans, de 3 décennies, non, ce n'est pas 10 ans, c'est sur 30 ans d'excision, c'est ça qu'elle a fait comme évaluation. Mais ce type de recherche qui demande du temps, personne ne les finance. Il fallait être une militante comme elle, avec un engagement sur ces questions, et une chercheure dans une institution qui a la possibilité de prendre son temps et de faire ce type de travail. Donc ce type de travail nous manque, et là on retourne aux politiques publiques, l'engagement de nos États. Ça veut dire qu'il n'y a pas un engagement, il y a un engagement de principe sur les femmes, mais le premier indicateur d'un engagement, il est financier. Quand vous prenez tous les budgets nationaux, vous les examinez, les programmes en direction des femmes, ils vont vous dire financement à recherche. Ils mettront l'argent sur la sécurité, ils mettront l'argent sur tout ce qu'ils veulent, mais si vous apprenez à lire tous les tableaux des opérations financières de nos différents ministères, on voit que le budget pour les femmes, on le laisse aux bailleurs de fonds. Ce n'est même pas parce qu'il est petit, mais l'État ne sort même pas de lui-même l'argent pour ça. Il va attendre que le bailleur de fonds le mette en place. Or, les bailleurs de fonds ne sont pas dans le temps long, ils sont dans le temps court. C'est ça la question des séquences, le temps long et le temps court. Ils sont dans des programmes de 3 ans, 5 ans. D'ailleurs, ils avaient obligé nos États à ne plus faire de la planification, mais dans les périodes d'ajustement structurel, à avoir un plan triennal. En restant dans la logique du plan triennal, on ne peut pas aller dans une perspective de développement, ce n'est pas possible. Donc, c'est la question de la direction politique de nos États. Et évidemment, il va falloir que des femmes y croient pour arriver à ces directions politiques. C'est le sens du combat que nous menons pour la parité au Sénégal. Ça ne donne pas encore de résultats, mais nous pensons que dans 10, 20, 30 ans, quand les femmes seront au cœur du pouvoir, elles se battront pour que l'argent aille là où il y a les intérêts des femmes, y compris pour la recherche. Je crois que votre dernière question sur l'éducation, moi j'ai regardé simplement les chiffres. Ce sont les recherches qui montrent que plus les femmes sont éduquées, plus il y a de chances qu'on rompe le cercle vicieux de l'excision. Maintenant, la question de l'autonomie financière, elle est importante. C'est l'autonomie financière qui vous donne la possibilité d'avoir une prise sur votre vie et sur la vie de vos enfants. Si vous n'avez pas d'autonomie financière, vous êtes la dépendance du groupe, vous êtes la dépendance de quelqu'un qui a une autre conviction. Effectivement, ça, les deux doivent aller, mais mettons l'accent sur l'éducation à partir du moment où les chiffres nous sont en train de nous montrer qu'il y a une relation, une corrélation entre abandon de l'excision et niveau d'éducation des mères. I ask you that now the question should be more brief, please. We are running out of time. I try. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous voyez. Voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout parce que vous avez pointé aussi sur les formes de radicalisation qui sont très importantes aujourd'hui. Mais ma question, du coup, porte plutôt sur la question de l'éducation. Et puis, j'ai rejoint, du coup, déjà la remarque faite par la collègue italienne. Et je vous pose la question, donc j'essaie d'être très précise. Puisque vous avez dit qu'on le sait déjà que les mutilations génitales féminines ont l'objectif principal de contrôler la sexualité des femmes, est-ce que en Afrique, enfin au Sénégal, il existe justement cette culture de la parole, et notamment des discussions autour de la sexualité, et par exemple entre les parents et les enfants, ou dans d'autres lieux, et si oui, lesquels? Est-ce que la sexualité est un sujet qui est discuté, comme par exemple on le fait maintenant en Occident, donc il y a toute une histoire aussi sur l'éducation sexuelle en Europe, aux États-Unis, enfin bref, dans d'autres pays. Et quelle est la situation justement au Sénégal? Bien, au Sénégal, c'est un pays multiculturel. Donc le comportement chez les Halpulars ne sera pas le même chez les Wolofs, ne sera pas le même ailleurs. Bon, dans les ethnies Wolof, oui, il y a des mécanismes de discussion de la sexualité. C'était la tante paternelle ou l'oncle qui initiait la jeune fille à la question, ou le jeune garçon à la sexualité.
Et il y avait des classes d'âge aussi. L'organisation sous forme de classes d'âge donnait des possibilités de discuter des sexualités. Moi-même, j'ai vécu quelque chose enfant, et c'est après que j'ai compris. Je suis partie dans un mariage. Et puis, c'est après que j'ai vu, compris, que les femmes qui étaient là-bas, il y en avait deux, elles mimaient l'acte sexuel. Donc, pour dire à la jeune mariée, voilà comment tu dois faire. Mais ça, c'est dans le secret des espaces des femmes. Au Sénégal, tout est sexualité. On vous parlera de bin-bin, on vous parlera de petit pagne, on vous parlera de n'importe quoi. Tout est discours de sexualité, même si c'est voilé. Maintenant, l'éducation sexuelle, il y a eu une rupture parce que l'organisation familiale a changé. Les formes de classe d'âge de prise en charge ont changé. La circoncision masculine était un moment aussi d'initiation et de préparation à la vie d'homme. Mais aujourd'hui, comme pour l'excision, ça se fait très jeune. Certains le font à la naissance, d'autres le font de toute façon avant d'aller à l'école. Donc, le moyen pour éduquer le garçon à la sexualité, ces espaces-là ont disparu. Et les espaces aussi qui servent d'éducation sexuelle à la fille ont plus ou moins disparu, mais la nature a horreur du vide. Si vous retrouvez aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, les filles se font leur éducation sexuelle entre les pères. Donc, ce qui leur a manqué, mais c'est entre elles, malheureusement, il n'y a pas un niveau d'expertise supérieur pour leur parler. Elles prennent en charge leurs propres questions. Donc, il y a un véritable problème. Ça ne s'enseigne pas à l'école. On avait créé les centres ados, adolescents, pour le faire, mais c'était surtout pour le planning familial, qui est aussi un espace où on doit aller, mais ça ne touche pas. Ça touche une toute petite minorité. Les centres pour ados existent au Sénégal, mais bon, sont assez tout à fait limités. Maintenant, il y a d'autres cultures où la sexualité est tabou. On n'en parle pas, parce que de toute façon, l'enfant rentrait dans la sexualité très enfant déjà, on le récupérait, il était déjà marié et autres. Donc c'est là un sujet de recherche aussi, pour mieux comprendre, parce que si j'avance, je vais dire des bêtises. Pour décrire vraiment la situation actuelle, il va falloir travailler là-dessus. I would say this will be the last question. Fatoumata. Bonjour à tous. Et je commencerai pour féliciter ma sœur Fatou. Nous sommes déjà rencontrés dans des autres rencontres, dans cette chemin de la lutte pour l'égalité et l'équité de genre. Ce que j'aimerais dire ici seulement, c'est que c'est une contribution quand même à donner pour accorder avec elle, en disant que, par exemple, quand vous regardez la projection qu'elle a faite dans la map du Sénégal, quand vous regardez le côté frontalier entre le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, peut-être avec la Mauritanie, si vous allez voir les différents groupes ethniques qui pratiquent l'excision, on va trouver le même groupe dans les différents pays. En Guinée-Bissau, ce sont les Peuls, ce sont les Mandins. À la Guinée, en Guinée-Conakry, aussi, ce sont les Peuls, on va les trouver. On va trouver aussi le Mandin, en Mauritanie, en même. C'est-à-dire que dans ce travail, on va voir que la pratique de l'excision en tant qu'elle, c'est plus qu'une tradition culturelle ou une tradition ethnique des groupes qui les pratiquent, plus qu'une pratique religieuse. Parce que quand vous regardez, par exemple, les serrères, comme elle a bien montré, et les Wolof, comme elle l'a bien montré, ce sont des musulmans au Sénégal, mais qui ont un peu quand même dépassé cette situation. Mais il y a une autre question vis-à-vis à l'application de la loi. Fatou, on a, à l'an 2015, un cas de violation de la loi en Guinée-Bissau. C'était une fillette Guinée-Bissau qui a été mariée vers Kolda, au Sénégal, qui a deux enfants, des jumelles, toute femme, c'est-à-dire, et comme elle ne pourrait pas les exciser là-bas, elle les a fait retourner en Guinée-Bissau chez leurs parents. Son papa était un imam. Et c'était un imam qui avait travaillé avec le programme Tostan, qui avait fait la déclaration publique de l'abandon. Donc, on a pris les fillettes, on les a ajoutées avec autres 8 jeunes filles de entre 2 à 10 ans, on l'a excisé. On a découvert
Le premier problème qu'on a, eux, c'était de faire les policiers aller arrêter l'imam. Les policiers, ils ont dit que c'est un imam, qu'ils ne pourront pas l'arrêter. Alors que la première intervention devrait être faite par la police et après passer par le ministère public et après arriver au tribunal. Donc, mais les policiers, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas arrêter l'imam. C'était nécessaire, l'intervention du Comité national pour l'abandon des pratiques néfastes, qui a pu aller voir au niveau central à Bissau, parce que c'était vers les régions, à Bissau, la police judiciaire a venu de Bissau avec les policiers de Bissau pour aller jusqu'au village, pour aller emprisonner l'imam. Donc, pour voir que c'est vrai quand on dit qu'il y a les imams, il y a des autres personnes qui s'y déclarent, qui disent publiquement qu'ils ont abandonné. Oui, parce que d'un côté, ils veulent que tout le monde les laisse libres dans leur village. Parce que quand le village déclare publiquement abandonner la pratique, on ne va jamais faire le travail là-bas. On va chercher les autres villages, on va les laisser libres. Et comme ça, ils pourront continuer à amener et à réaliser leur pratique d'habitude. Ça, c'est une chose. D'autre côté, quand même, dans les gens qui déclarent, on peut trouver celles qui déclarent, qui abandonnent. Dans les enquêtes qui ont été faites en Guinée-Bissau et autres, on a montré que, quand même, la pratique tend à diminuer. Mais quand on parle des califes, les guides musulmans, qui sont plus hauts que des imams, on va trouver que où aussi en Guinée-Bissau, on a un ce cas. Mais quand même, dans notre cas, il a sorti les femmes qui sont valentistes. Partout où je pense maintenant, je donne des exemples de cette femme. Ce sont les exciseuses. Le califa a dit que les gens ne devront pas arrêter de pratiquer l'excision. Elle a produit, comme tu l'as bien dit, un fatwa en disant, qui est fait circuler dans la zone l'est et sud du pays, entre nous et la frontière en Guinée-Conakry. Quand on parlait au village, on nous montrait même ce qu'il a produit. Mais comme on a fait un travail dans une communauté plus que 2-3 ans, et en certains moments, comme la tradition culturelle là-bas était que est-ce que les communautés sont prêtes à dire non à ces pratiques, l'imam a dit que non, parce que le guide a dit qu'on devrait continuer. Il y avait deux femmes exciseuses qui se sont levés pour dire, si l'imam veut, monsieur l'imam, si tu veux, je te donne ma couteau pour que tu continues. Parce que si je me suis arrêtée, personne n'allait pas me visiter et personne n'allait prendre soin de mes enfants. Nous deux, ici dans ce village, on a décidé qu'on ne va pas le faire. C'était dans une réunion privée, pas même une réunion publique. Une réunion privée de préparation, elles ont dit qu'elles ne vont pas continuer. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire, mais que la loi en tant que telle a commencé déjà aussi à jouer son rôle de décourager la continuation de la pratique. Parce que cet imam, comme je vous le disais, l'imam a été arrêté, l'imam a été condamné, et en ce moment, il est en prison. Il a été condamné pour 3 ans. Il a fait déjà 1 an et 4 mois en prison. Donc pour nous, même condamné, seulement le fait de condamner publiquement un imam, déjà ça décourage la continuité. Mais en réalité, il a été condamné pour 3 ans. Notre loi aussi parle de condamnations qui vont de 1 an minimum à 5 ans. Et si l'enfant arrive à mourir, donc à décéder, ça arrive jusqu'à 10 ans de prison. Mais jusque-là, la plus haute condamnation, c'était de 3 ans. C'était déjà pour 2 fois qu'on condamne pour 3 ans. Mais on a le premier cas, c'est à condamner à peine suspense. De 3 femmes, une femme qui a excisé, les autres excisées, on a dit que non, on va solidariser. Tous les 3, ils ont dit que nous, on a fait. En pensant que si on dit et on solidarise avec celle qui a fait l'excision, et elles ne seront pas condamnées. Ben, elles sont condamnées tous les 3. Quand même, c'est vrai que nos juges, nos responsables policiers au temple, nos responsables policiers et autres, traditionnellement, culturellement, ils viennent de nos communautés.
Ce sont des enfants des communautés qui pratiquent l'excision. Peut-être leur mère, comme tu l'as dit, leurs sœurs continuent à le faire. Mais moi, je pense que le plus grand rôle, c'est pour ça que je me rejoins dans des rencontres comme cela, en félicitant les universités, les écoles qui s'engagent. Parce que pour moi, c'est l'éducation qui jouera un plus haut niveau. Je le dis aux suivants. Moi, je lutte contre cette pratique, mais je suis soumise à la patrie. Mais je ne condamne pas ma maman. Parce qu'elle me préparait, quand elle me soumet à la pratique, elle me préparait pour être acceptée dans ma communauté. Moi, je veux aujourd'hui que ma fille soit acceptée dans ma communauté, mais comme j'ai les connaissances des conséquences néfastes de cette pratique, je me dis non à la pratique. Parce que j'ai eu l'opportunité d'être scolarisée. J'ai eu l'opportunité d'être formée et de connaître les conséquences de cette pratique que maman n'a pas eu. Donc pour cela, je me dis que sauf l'éducation pourra jouer le rôle majeur dans la transformation de nos sociétés. Pour que nous pouvons, nous-mêmes, en tant qu'Africains que nous sommes, regarder nos cultures, promouvoir ce qui est positif et laisser tomber ce qui est négatif. Je reviendrai encore plus tôt, je me remercie. Et je me excuse pour ma intervention qui est un peu longue. Merci. Merci, Fatoumata. Bon, je vais répondre très rapidement. Je ne réponds pas à ce juste un commentaire. Ça confirme ce que je dis. En tout cas, mes hypothèses, c'est la faiblesse institutionnelle de l'État. Si l'État du Sénégal fait comme l'État de Bissau, ça va être très bien. Parce qu'on s'est rendu compte, comme je vous ai dit, la peine maximale, c'est 6 mois avec sursis. C'est 6 mois ou 3 mois. C'est entre 3 et 6 mois. La plupart, on a donné 3 mois. Vous le verrez dans le texte. J'ai répertorié tous les cas et la condamnation. Les condamnations sont faibles et on se débrouille pour les sortir. La question de l'imam, c'est une question d'enjeu aussi. C'est-à-dire, si l'État ose s'attaquer à la figure religieuse, mais les imams n'ont pas chez nous. Au Sénégal, la force que les guides religieux ont, c'est différent de chez vous. Parce que chez nous, le guide religieux au Sénégal, c'est quelqu'un qui est un acteur politique majeur. Aucun chef d'État n'osera se mettre à dos, en tout cas un guide religieux, si vraiment ce n'est pas des questions d'évidence. Donc c'est ça aussi les limites des politiques, parce qu'ils ont besoin de ces guides religieux pour avoir de l'électorat aussi, parce que c'est eux les grands électeurs. Donc voilà la complexité de notre situation, mais ça renforce l'idée que si un État est fort et accepte de faire respecter ses lois, c'est sûr que ça va passer. Nous l'avons connu dans le passé. Pour d'autres cas, on enterrait les griots dans les baobabs et pas par terre, sous prétexte qu'ils vont souiller la terre. Mais le président Senghor est venu, il a dit non, on arrête cette pratique et la pratique a disparu. Donc si l'État y a un engagement fort sur une pratique, même culturelle, même traditionnelle, on peut venir à bout parce qu'on a des exemples où l'État est venu à bout d'une pratique culturelle qui était là. Maintenant, deuxième point, effectivement, c'est l'éducation. C'est pourquoi il faut qu'on structure l'information, que vous venez au Sénégal pour montrer que les imams même peuvent... Et d'ailleurs, 3 ans de prison à un imam, ça, c'est très fort. J'aurais bien aimé qu'on arrive à le faire chez nous. Maintenant, la question des couteaux. Vous allez augmenter quelque chose dans mon analyse. C'est une stratégie de contournement. Donc, vous dites... On accepte, on fait la déclaration et on nous colle la paix. En réalité, on a dit sur 5000 communautés, 3000 ont abandonné. Si 3000 avaient réellement abandonné plus de la moitié, mais l'excision aurait diminué de moitié. Donc, mais en réalité, la déclaration, c'est juste des cosmétiques. C'est aussi une stratégie des populations. Je n'avais pas compris ça de cette manière. En tout cas, merci de l'avoir intégré. Voilà, merci beaucoup, je crois. Et on va passer au reste.